Quand j'étais petit, je pensais que les chanteurs à la radio, ils étaient en direct, systématiquement, que chaque morceau, le gars venait le chanter. Et un jour, il y a une chanson sur une radio, dans la voiture, ma mère, elle change de la radio pour une autre radio, et il y a le chanteur qui rechante la chanson, genre 3 minutes plus tard. Et je dis à ma mère, comment il a fait pour aller aussi vite dans l'autre radio, quoi? Et du coup, ma mère, elle m'a dit, mais non, mais c'est enregistré. Et j'ai fait, ah d'accord! Donc j'aime bien, voilà, j'étais persuadé que les chanteurs, ils couraient, ils passaient de énergie à nostalgie en courant pour aller chanter leurs chansons. C'est marrant, dites-moi dans le chat s'il y a les bails comme ça. Quand je regardais Desperate Housewife, il y avait une pub avec Eva Longoria après, je pensais qu'elle devait se changer vite pour faire la pub. Bah oui, ça c'est exactement comme mon bail de la... Les chanteurs, ils couraient entre deux radios, classique, mais je pensais que la fumée des usines, c'était créer les nuages. Ouais, bah ça j'avoue, forcément, tu te dis forcément ça, gamin. Quand j'étais petit, je croyais que mes parents, ils savaient tout. Ah mais oui, ça me dit quelque chose, cite ça. Et c'est marrant, là, le jour, je lisais un bouquin de Annie Ernaux, et elle raconte son enfance dans les années 50, et en fait elle pensait en gros que tout ce que les profs leur apprenaient en CM2 ou en CM1, c'était tout leur savoir, et qu'une fois que tu passais en CM2, c'est que tu dépassais ton prof de CM1 en termes de savoir. Il t'avait appris tout ce qu'il savait, et après il a plus rien, il est à sec, alors que non. Moi c'était visuel et très lyonnais, je comprenais pas comment fonctionnaient les paliers des maisons dans le Vieux Lyon. Ah oui, bah moi-même, je comprends pas. Hein. Ils doivent sauter dans les escaliers. C'est mal branlé, c'est tout décalé. C'est ça, votre ville, les Lyonnais? On le voit, regardez, les gens en bas, là. Ils savent pas, ils se disent, mais comment on accède chez nous? Fait 2 ans qu'ils sont en bas de chez eux, là, les pauvres loulous. Je pensais que les concours où il y avait une PlayStation à gagner chaque semaine, on t'envoyait une nouvelle PlayStation toutes les semaines. Ah, que genre, oui, une fois que tu gagnais le concours, le cadeau, c'était chaque semaine, quoi. Chaque semaine, on vous offre une PlayStation, ok, oui, il est pas mal. Et tu te disais, mais quel intérêt de... Je vais devoir rincer tous mes proches, quoi. Après, c'est vrai que c'est une galère, parce que tu te dis, après, les gens, ils vont vouloir être potes avec moi parce que j'ai des PlayStation à offrir. Chaque semaine, tu sauras plus vraiment s'ils t'aiment vraiment ou si c'est juste les PlayStation, quoi. Dans le même registre, je pensais que quand je jouais un disque, l'artiste devait chanter en live chez lui. Ah, et tu pensais que c'était comme moi, mais tu pensais qu'il y avait une orga, qu'il n'était pas obligé de courir d'un studio à l'autre, quoi, qu'il pouvait faire ça de chez lui, quoi. Du coup, j'évitais d'écouter trop de chansons du même artiste d'affilée. Sérieux? Ou d'écouter de la musique trop tard pour leur laisser le temps de se reposer. C'est extrêmement mignon. Quand j'étais petit, mon père a acheté 120 œufs au lieu de 12 parce qu'il a confondu le 0 avec le O. Ah non, mais attends, c'est Sid qui dit ça? Non, tu fais une vanne. Je la connaîtrais, cette anecdote, Sid. Sid, ton père, il a vraiment shamé ta mère. Sa mère, elle lui fait une liste de courses et il fait, ah putain, les courses, elle casse les couilles, Chantal. J'ai outé le prénom de ta mère. Elle casse les couilles, Chantal, elle veut que j'aille faire des courses et tout. 120 œufs? Elle sait même pas écrire œuf en plus. Bon, vas-y, on va lui acheter ses œufs. Qu'est-ce qu'elle va branler encore avec 120 œufs? Et il arrive, il fait, je t'ai acheté tes 120 œufs. Elle dit, mais enfin, Laurent, j'ai outé le nom de ton père. Qu'est-ce que tu branles avec 120 œufs? Il dit, bah, c'est toi. Il dit, non, 12. Il dit, ah, je pensais que tu savais pas écrire œuf. Ah, bah, super. Voilà. Là, c'est l'enfance de Sid que j'ai résumé en 20 secondes. Moi, je pensais que dans les pubs où on voyait des dentistes, c'était des vrais dentistes. Non, il y a que Carglass qui fait ça. Dans les pubs Carglass, sachez-le, c'est que des vrais dentistes. Alors, mon jeu préféré qui va bientôt être aux Jeux Olympiques, c'est on dépose délicatement un mec sur le capot et on essaie de le garder le plus longtemps possible. Allez, c'est parti. 1, 2, merde. Ah putain, ça y est, je suis recherché, on n'a même pas fait 2 secondes. 1 eternity later. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 Ah franchement, c'est magnifique, on est d'accord. C'est magnifique. 9 secondes. Merci au gars, il est où? Merci gars. Il est où le gars? Merci gars. Franchement, c'est un beau travail d'équipe, quoi. Vous avez vu? On a fait 9. Alors c'est quoi le sondage? Pour l'instant, ouais, la majorité c'est 25-35. Bah ça c'est les stats un peu que j'ai sur YouTube, quoi. On a vraiment l'âge d'avoir des sponsors de voitures, en fait. Bah ouais, je fais beaucoup de sponsors voitures parce que les gens se disent il est vieux, il est suivi par des vieux qui ont un pouvoir d'achat. C'est un peu le Michou des vieux, exactement. C'est ça, je suis le Michou des vieux. Enfin non, je suis le Michou des middle age, parce que le Michou des vieux, il existe, il est déjà mort. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est que Michou il arrive, il dit salut, je suis Michou, mais Michou c'est lui, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe si je tape Michou d'ailleurs sur... Attendez, on va découvrir. Si on tape Michou, ouais, le Michou jeune a remplacé complètement le Michou mort, quoi. Putain, mais Michou, ça doit il doit se retourner dans sa tombe, quoi, là. Il est carrément le cosplay Michou mort. Donc c'était vraiment que c'était une star. C'est lequel votre Michou préféré, vous? Le Michou jeune ou le Michou mort? Ah, mais c'est... Ouais, si les gens savent pas qu'il y a un autre Michou, on dirait qu'on dit, est-ce que vous préférez que vous voudriez que Michou jeune soit dead? C'est pas ce qu'on dit, hein. 2 mois de stream et il menace de mort un YouTuber. Je menace personne, vous avez pas compris. Regardez, c'est 2 gars différents, regardez, je parle de lui. Lui. C'est Michou mort, et lui, c'est Michou jeune. C'est pas la même personne, on souhaite pas la mort de celui-là. On souhaite que celui-là, vous soyez content qu'il soit mort. C'est pas clair non plus. Je m'embourbe. Si ce Michou était vivant, est-ce que vous voudriez qu'il meure dans la seconde? Non, c'est pas non plus ça. Comment dire? Ce Michou-là, imaginez, il est mort. C'est mieux que si celui-là, il est mort? Non, parce que celui-là, il est mort.
Celui-là, il est vivant, hein. Ça fait longtemps moi que j'ai pas su. Michou jeune, il est vivant toujours, on est d'accord. Attendez, si je tape Michou mort, qu'est-ce que ça nous sort? Voilà, c'est ça, c'est bon. Et si je tape Michou pas mort, faut qu'on vérifie en fait. Ah, si je tape Michou pas mort, ça sort pas le Michou jeune, hein. Ce qui implique peut-être que le Michou jeune est mort. Est-ce que c'est clair? Parce que le plus important, c'est que ce soit clair pour vous. Regardons quand même le résultat du sondage. Quel Michou vous préférez? Vous préférez Michou jeune. Vous êtes 64% à préférer Michou jeune et 36% à préférer Michou mort. Donc en gros, vous préférez les vivants aux morts, quoi. Donc votre préféré, c'est Michou jeune. Ok, c'est bon. Ah mais là, ça nous sort Michou... Attendez, ça nous sort Michou plus jeune que ce qu'il est. Donc pour Google, Michou est pas jeune. C'est ça les valeurs qu'on veut inculquer à la jeunesse? C'est horrible. Ah, il a déjà pris des vacances, Michou? Ben, il s'emmerde pas, hein. Ah, il a déjà mangé, Michou. Ah bah, il s'emmerde pas, hein. Il a mangé un gros pot de sauce, quoi, on dirait. Ok, on est dans les clous, les frères. Vous voulez savoir s'il y a toujours le chat? Qui nous fait un regard cam en plus, c'est magnifique. Et un petit clin d'œil. Putain, le chat, c'est vraiment un chat professionnel, hein, mon chat, c'est incroyable. Ouais, donc, bah, alors, voilà, hein, pour les gens qui débarquent, on fait du bingo, Hélène et les garçons, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait une ligne? On regarde un deuxième épisode. Sauf que ce n'est absolument jamais arrivé. Mais, ah putain, merde! Faut que je fasse gaffe, j'ai des travaux dans ma cave, et le gars, il m'a dit que demain matin, il fallait que je vienne leur ouvrir ma cave, qu'à un moment donné, je vais peut-être devoir descendre, ouvrir ma cave. Oh putain, c'est les gens de la cave. Oui, allô? C'est pour la cave? Ok, bah j'arrive à vous ouvrir. Ah, j'ai couru. Par contre, j'ai de mauvaises nouvelles. Il faut que j'aille vider ma cave, après. Je suis dégoûté. En fait, ils font des trucs pour l'aération, je sais pas quoi, machin. Donc ouais, vous allez me voir lutter pour pas faire de ligne, étant donné que j'ai des ouvriers qui attendent que je vide ma cave. Eh, hey, imagine, un bébé cri-cri d'amour. Oh! Il y a eu mon rire préf. Je vous le remets, mon rire préf. Mon chaussures sur le canapé. Non, il y a pas de chaussures sur. Ah si, José, là peut-être. C'est peut-être des chaussettes, hein. Non, c'est des chaussures. Ah putain! Les ouvriers, ils m'attendent. Pour les gens qui arrivent, il y a des ouvriers. Je suis censé avoir vidé ma cave et je leur ai dit je viens à 11h30 à la fin de mon live. Chaussures sur le canapé. Ah putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Tout à l'heure quand même, les filles, hein. Ah oui, sacré José, putain, mais arrêtez, je suis dans la merde, là. Cette cage, je l'aime trop, je peux pas dire non, quand même, José, je trouve qu'il est pas sacré aujourd'hui. Non, il est sacré, sacré José. Regarde, c'est pas Johanna, là? Johanna, mais où? Pas sous la table. Elle sait pas s'asseoir. Effectivement, elle sait pas s'asseoir. Mais c'est pas ça, pas savoir s'asseoir. C'est pas savoir s'asseoir comme dans une pièce de théâtre où tout le monde, où 14 personnes sont assis que d'un côté de la table. Non. Mais là, j'avoue, elle sait pas s'asseoir, ouais. Ah tiens! Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un côté de la table inoccupé alors qu'ils sont 45? Ah putain, je suis dans la merde. C'est chaud, hein. C'est chaud. Hein. Comment ça, bingo? Ah putain! Putain! Mais c'est pas possible! Les gars! Ce matin, quoi! Vous n'avez aucun respect pour les ouvriers, c'est pas possible! Ça, c'est fou! Je devrais être fou de joie, quoi! Bon, je vais les voir. C'est bon, on peut regarder un deuxième épisode. Allez, pour la première fois de l'histoire, voici un deuxième épisode d'Hélène et les garçons. C'est fou. Oui, c'est vrai que dans la cave, il n'y a plus le mannequin de Freddy qui aurait fait peur aux ouvriers. Ceux qui me suivent sur Insta, depuis du coup un an et demi qu'on avait fait cette vidéo avec le mannequin de Freddy et la vidéo camping-car, il était rangé dans ma cave, le mannequin de Freddy, là qu'on a offert au meet-up, dans le gauche-gauche-droite-droite à Nantes. Et dès que j'ouvrais ma porte de cave, j'oubliais forcément. Et il était allongé comme ça sur un carton. Et je faisais oula. Toujours un petit stress de pourquoi il y a un gars. Et ben non, c'était Freddy. Effectivement, les ouvriers, ils auraient flippé. Ouais, on peut mettre le vrai Freddy dans la cave, du coup, ouais, pour leur faire peur. Attends, je vais lui envoyer un message. Il arrive. Il y a un petit muret en fait. Faut que tu contournes. Ah non, d'accord, pardon, autant pour moi. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai pas suivi, c'est fini Golden Moustache. Est-ce que c'est du troll ou pas? On sait ouais, pas. C'est quoi. Sûr que c'est du troll. Mais en tout cas, c'est fini. Non, c'est ça maintenant. C'est juste nous deux. Et là, vous voulez des gossips sur Golden? Moi, j'ai tout, moi. Il a même le compte Insta de Golden, tellement il a tout. Je l'ai plus, mec. Ah ouais? Ouais. Et quelqu'un a. Ah, je suis deg. Je l'ai plus, putain. Il avait le compte Insta de Golden alors que Golden n'existait plus. Ils ont tout, vu quoi. Que je faisais n'importe il quoi. Il me faisait avec. Des pranks avec et tout. Tu m'as trop eu. Go les gossips. Vous savez que Kemar et Natou. Ils sont plus ensemble? Ah, tu me l'avais pas dit ça? Il y a des gossips que je sais. Et par contre, ça n'a rien à voir avec Golden. Ah ouais, c'est vrai. C'est qui Golden? C'est lesquels déjà? C'est Anis qui a mis le logo de M6 car il est fan. M6 qui transforme la chaîne Golden Moustache en M6 sans pression. Mais j'adore M6 de base, je voulais mettre le logo de la trilogie du samedi. J'avais peur que personne ait la ref. Du coup, j'ai mis M6 comme ça. C'est mieux. Bon, faut avoir suivi ce qui s'est passé, mais c'est très drôle.
Moi, j'adore Cauchemar en cuisine et tout. Je voulais mettre ça de base. Golden Moustache, ça veut rien dire. Quand tu t'es branlé par intermittence devant le film Showgirls. Hein? Ah ouais. Ça, j'ai mis. Il y avait la bande-annonce qui passait sur Canal Sat. Et donc, toutes les 5 minutes. C'était le moment où il fallait en profiter, quoi. Envie de mater la bande-annonce de Showgirls, juste pour voir. Bah ouais, bah. Moi, ma première amoureuse, c'était une héroïne d'une série qui s'appelait Sauvée par le Gong, qui était une sitcom, même époque qu'Hélène et les garçons, mais une sitcom américaine. Le héros, Zach Morris, était amoureux de Kelly Kapowski, qui est jouée par Tiffany Amberthiessen. Et ça, c'est ma première amoureuse. Bon, elle n'était pas au courant, mais c'est ma première amoureuse. Et dans cette série, Sauvée par le Gong, il y avait une autre meuf qui était jouée par Elizabeth Berkley, un truc comme ça. Et cette meuf, c'est l'héroïne de Showgirl. Et j'avoue, pour les fans de Sauvée par le Gong, tout d'un coup, t'avais un film de Paul Verhoeven sur une stripteaseuse jouée par la meuf de Sauvée par le Gong. Je peux vous dire qu'il y a une génération de gars qui ont pété un câble. Freddy Gladue, en l'occurrence. Vous vous rendez compte à quel point c'était une galère à notre époque? Il y avait rien, quoi. Il y avait pas Internet. Donc t'avais pas de support. Dans le meilleur des cas, il y a un pote qui avait enregistré un porno sur une cassette VHS. Et la cassette VHS, elle tournait dans le collège. Et tu mettais la cassette VHS dans le magnétoscope du salon. Un jour, il y avait personne chez toi, quoi. Donc ça n'arrivait jamais. Ouais, c'est ça. Après, il y avait les catalogues de la Redoute et tout, quoi. Ouais, nous, effectivement, le cliché de notre époque, c'est les catalogues, la Redoute et les Trois Suisses. Il y a 10 ans, un jour, tu fais. Pourquoi je suis intrigué? Je me rappelle très bien dans la chambre de mes rams et j'allais vérifier le fait que j'aimais bien. C'est marrant, hein. Tu sais, je regardais les madames dans leur truc en dentelle à l'ancienne, quoi, et je me disais pourquoi j'aime bien? Tu sais, c'est trop bugant, quoi. Je veux pas te souvenir de m'être caressé sur caressé, les guillemets inutiles sur les trois frères. Si sur les trois frères, je me rappelle m'être bien pignolé, par contre, parce qu'elle Legitimus avec son petit catalogan là. Mais les trois Suisses et la Redoute, par contre, je me rappelle juste des premiers émois, quoi. Mais n'empêche, j'avais été très très jaloux de Nagui. Figurez-vous. Et oui, les potes, Tiffany Amberthiessen, la meuf du coup dont j'étais amoureux dans Sauvé par le Gong, elle avait dit dans une interview pour Télépoche, on lui avait dit « Ah, vous aimez bien les Français, les trucs et tout ?» Et elle avait dit « Bah, une fois, j'ai été interviewé par Nagui, et j'avoue, j'ai kiffé et tout. » J'étais en mode « Quoi ? Tiffany Amberthiessen, elle veut pécho Nagui, quoi ?» J'étais pas Nagui. Mais bon, par rapport à Zach Morris de Sauvé par le Gong, j'étais plus Nagui. Donc soudainement, elle était à un Nagui de moi, quoi, Tiffany Amberthiessen. Putain. Après, je voulais faire ça dans la vie, je voulais faire Nagui pendant longtemps. Je disais, tu veux faire quoi plus tard ? Je disais, bah, Nagui. Pourquoi faire autre chose ? Zach Morris, c'est trop ambitieux. Je savais que les gens, ils allaient dire, eh, oh, frère. Mais Nagui, je savais que ça pouvait passer, quoi. Mais après, j'étais au salon de l'étudiant, j'ai cherché le stand Nagui, il n'y avait pas. Donc j'ai lâché l'affaire. Bon bah écoutez, ça fait plaisir cette petite vidéo. Quatrième tendance. Mais c'est quoi les tendances YouTube en ce moment? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été en tendance. Ok, c'est ça YouTube, quoi. Choc des générations, feat Jean Reno, Chantal Latsou et Kev Adams et Michou. C'est ça qui se passe? Quoi? On a fait un film tous ensemble. Ah, ils jouent tous dans le film? Maison de retraite 2, c'est ça? Et du coup, ils viennent chez Michou et ils savent pas qui c'est. Et Michou non plus, il sait pas qui c'est. C'est ça la vidéo? Et on parle bien du. Peut-être que Jean Reno, il pensait que c'était le Michou mort. Parce que pour ceux qui savent pas, il y a le Michou jeune et il y a le Michou roi de la night, le roi de la fête avec ses tenues bleues, ses lunettes de soleil et ses cheveux blonds et tout là. Et Jean Reno, il a peut-être dit au début: ah ouais, il y a Michou qui veut qu'on fasse la promo chez lui? Bah trop bien, je pensais qu'il était dead et tout. Super nouvelle. Il va dans l'émission de Michou et il fait: bah. C'est pas Michou ça. Sur la minia, il a l'air de nous regarder en disant pourquoi? Hein? Regardez comment j'arrive en flèche. Prends pas les doubles, s'il te plaît. Les doubles, merci. Allez, let's go. Allez, let's go. Allez, let's go. Allez, let's go. Vous avez vu cette remontée que je viens de vous faire là? J'espère que c'est pas. Non! Oh, bon bah c'était magnifique. Je suis deg, mais c'était magnifique. J'espère que vous avez passé une matinée chatoyante. Pourquoi ça relance à un circuit? Ah, c'est pas fini! J'étais en train de me barrer. J'avais le doigt sur quitter le live. Bon allez, je vais vous montrer de quel bois je me hauche feu. Allez, c'est parti les frères. Tic pa di ba di pa. Wouah, comment j'ai vesqui. Vas-y Sid, t'as qu'à me tirer dessus aussi. Hein. Comment j'ai vesqui la beubon. Sid, on n'était pas frères au début? Vous avez vu comment il s'acharne sur WAM? Tout va se jouer maintenant. Oula, cette verte. Elle a failli piquer très fort. Regardez ce qui va m'arriver. On pense que là, je suis tranquille. Est-ce que I18 peut finir bon dernier, s'il vous plaît? Ça finit en beauté ou pas? Magnifique. J'ai gagné, vous voyez pas, mais j'ai gagné. Putain, c'est génial. Meilleure fin de live. Alors, les gens qui jouent à Mario Kart, vous ne le savez pas, mais ils avaient pas l'image. C'est fou. Du coup, c'est comme l'équipe TV quand ils passent des matchs de foot sans les images, quoi. Vous m'avez vu commenter. Mais je sais que c'est les moments dont vous raffolez. Ah, c'est drôle. Ah merde, non, il y a les Schmitt. Ah, j'en ai marre des flics. C'est trop la vraie vie, quoi. Ça me change pas de mon quotidien, quoi. Voilà,
ça je le fais pas plus tard que cet après-midi, je faisais ça. Ah, je vais m'en sortir comme ça. Bah, c'est pareil, tout comme cet après-midi. Vous avez vu notre Aurel dans le rewind de Twitch hier. Tout à fait, ouais, nous avons été informés en direct du passage de mon incendie de grille-pain dans le rewind. Mais moi, je suis pas content parce que. Alors attendez, Sid, il me l'a envoyé ce truc-là. Regardez, donc ça, c'est Sid qui a filmé sa télé et qui me l'a envoyé sur WhatsApp. Hein. Regardez le scandale. Est-ce que vous voyez le scandale ou pas? Donc, je suis à deux doigts d'arrêter Twitch. Hein. Regardez ici, là. Il manque un E. Il manque un E à mon blaze. S'ils avaient mis un E ici, là, on serait 4000 devant la matinale. Ils ont fait exprès, ils m'ont saboté. Putain. On fait exprès de faire griller de foutre le feu à son grille-pain. Parce que là, on voit pas, mais j'ai de l'essence à Zippo. Et je suis en train de chanter, mais en fait, j'appuie sur un truc qui envoie de l'essence à Zippo sur mon grille-pain. Ensuite, j'allume, je craque une allumette comme ça en scred. Je la jette. Je me suis quand même fait chier, quoi. Tout ça pour qu'on oublie un E à mon nom de famille, quoi. Ils ont fait exprès, ils ont saboté la com. Comme vous pouvez le constater, j'ai trouvé une chaîne YouTube sur laquelle il y a des petites émissions de Super Nanny qui datent de il y a 20 piges. Ouais, 2005, ça fait 20 piges, les gars, ça fait mal. Enfin, c'est 19 ans, mais bon, plus 20 que 15, quoi. La Super Nanny qui est décédée. Comment ça? Ah non, tu nous spoil! Pas de backseat! Il a parlé de la mort de... potentiellement de... Moi, je veux pas savoir, hein. Je vais essayer de faire abstraction. Non, mais là, regardez. Il y a 2005, 2010. Donc, on est bon, là, sur 2005. Normalement, elle date pas dans l'épisode. Arrêtez, c'est pas drôle. C'est pas drôle de rire de... C'est... Elle existe vraiment, cette personne. Super Nanny, quand elle s'allonge, elle a la forme du circuit Yoshi. Ah putain, c'est ça le fameux secret sur la forme du circuit Yoshi? C'est la forme de Super Nanny. Et ça a été constaté le jour où la police américaine est venue constater son décès et a dessiné autour d'elle. Et après, ils l'ont écarté, ils ont fait. Mais c'est le parcours du circuit Yoshi. Soudain, le petit garçon prend une grande décision qui va surprendre Cathy. Il se fout le biberon dans le cul. Nous n'avons pas pu filmer ces images. Attendez, on va pouvoir voir le... Je viens d'entendre ce que j'ai dit. Pardon, j'ai pas fait exprès. Je vous demande pas d'être une mauvaise mère, je vous parle. Je vous demande d'avoir de l'assurance. Bah dites-vous, je me permets, hein. Dans le chat, ça dit « On pense quoi des parents qui embrassent leurs enfants sur la bouche ?» Alors oui, moi je suis pas partisan de... Enfin, si j'avais des enfants, je ferais pas ça. Mais moi j'ai une anecdote là-dessus, parce qu'a priori, et ça me semble très bizarre comme anecdote, mais c'est une vraie anecdote, ça fait partie un peu dans mes premiers souvenirs, je crois. Quand j'étais petit... Je crois que je faisais un piou, du coup, à ma famille, parce qu'une fois, et je me rappelle, j'étais scandalisé, quoi. On part de chez mes grands-parents, et donc, truc de famille et tout, machin, et on part de là-bas, et mes parents, dans la voiture, ils me disent, tu sais, faut peut-être arrêter, ou je sais pas trop quoi, mais en gros, ils me disent, c'est gênant, faut pas que tu fasses un piou à tout le monde en partant, quoi. Moi, j'étais en mode, mais vous foutez de ma gueule? Vous me dites ça que maintenant? J'étais petit, hein, mais j'étais en mode, mais les frères, prévenez, moi, mais dites avant! Si je fais ça, moi, c'est à cause de vous, bande de fous, là, j'avais honte, quoi. Donc apparemment, gamin, je faisais ça à ma famille, quoi. Mais c'est même là, je le raconte, je me dis, mais je dois me gourer, c'est pas possible. Mais si, quoi. Un de mes premiers souvenirs, je crois. Alors, il paraît que Justice, ils ont sorti des petits sons. Alors, qu'est-ce que ça a sorti de Justice? Bah, ça y est, c'est... Ah non, oui, d'accord, il y a l'album, il est pré-sorti, et il y a... quelques petits sons qui ont été released. Deux petits sons, Generator and One Night Whole Night. Ah, et les autres, on n'a pas le nom des autres tracks. Ou alors, c'est ça le nom des autres tracks, quoi. C'est track 1, track 3. Ouais, ou alors ils cherchent le titre des autres chansons, ils les ont pas trouvés. Et au compte-goutte, dès qu'ils trouvent un titre, ils font « Ah, la 7 !» On pourrait l'appeler « Bilout ». Et bim, là, ils sortiront la 7, quoi. Et pour l'instant, tant qu'ils ont pas trouvé les titres, ils sortent pas les chansons. C'est ça? En tout cas, bon, si vous voulez qu'on vous aide à trouver des noms de Justice, on peut, quoi. Après, ils aiment bien faire des trucs en deux parties. Donc, vous prenez pas la tête, Justice, je propose genre la 8. Vous pouvez l'appeler Generator Part 2. Voilà, si d'ici la fin de la matinale, vous pouvez le faire, comme ça, il y aura un troisième son. Vous voulez un insight sur Justice? Attendez, comment ils s'appellent les gars de Justice? Xavier de Rosnay. J'ai un gros dos à balancer sur Xavier de Rosnay. Accrochez-vous, ne clivez pas, hein, parce que je vais avoir des soucis. Et c'est une vraie info. Là, je vous jure, on n'est pas dans le suck dog et tout. Je vous jure que c'est une vraie info. À la fin des années 2000, Xavier de Justice, tous les mercredis après-midi, vers 16h, mangeait un Royal Cheese Nature au McDo Cadet dans le 9e arrondissement de Paris. Il y a quoi en fait? C'est une vraie info. J'y travaillais, je me rappelle plus s'il prenait frites ou coca ou quoi, mais en tout cas, il demandait un Royal Cheese Nature, c'est-à-dire sans sauce, sans oignons, sans cornichons. Pain, cheddar, steak. Vous êtes sur le cul ou pas? Tu confonds avec un Xavier random. Non, c'était eux. J'avais dit 12 dance et ils me l'avaient faite. Donc c'est forcément lui quoi. J'avais dit deux fois, j'avais dit 12 dance, 12 dance. Il m'avait fait aller, ok. C'est un peu une sorte de Macarena au final, parce qu'on sait pas, dans le clip, ils font pas la dance. Donc, Xavier, je t'ai servi beaucoup de Royal Cheese sans sauce. Maintenant, il serait peut-être temps de nous régaler à ton tour en nous donnant le nom de vos chansons. Bah, peut-être ça peut être le nom d'une track en même temps. Royal Cheese Nature. Vous avez déjà eu dans votre taf les frères confrontés à des gens nuco. C'est le verlan de connu. J'ai dû servir Valérie Pécresse à mon taf. Elle a pris un Magnum Amande. J'ai eu full célébrité en patient, mais pour le coup, j'ai pas le droit d'en parler. Ah ouais, t'es radiologue? Alors attends, t'as eu qui? Qui s'est pété le pied dans les gens connus? T'as eu Scheim quand elle est tombée dans la fosse là, quand elle a fait un slam et qu'elle s'est ramassée. Donc on sait, t'as eu Scheim.
Ça t'est grillé. J'ai envoyé Raphaël Nadal sur la Lune. Ah bah oui, c'est Oncle Sid qui travaillait à Space Mountain. Ah c'est drôle, t'as eu Raphaël Nadal. Oui, toi t'as dû voir des gens connus toi aussi, Sidou. J'ai eu que des gars pas connus en guide, nous dit Sid. Ah fait chier. Ah drôle, mais une fois y a une collègue qui m'a dit « Truc de ouf, y a Philippe Risoli !» C'était Christophe de Chavannes. Pas mal. Dans une épicerie fine, t'as vendu du jambon à M et une baguette à Lambert Wilson. Stylé. J'ai servi Tarantino, Travolta et Uma Thurman à Cannes. Ah ouais, stylé. Bah du coup, en 94, parce que là, on a l'impression que c'est le casting de Pulp. Brigitte Lecordier. Ouais, mais dans tes études. Non, mais là, vous name-droppez des gens. Vous avez servi au taf. Moi, c'est ça que je veux savoir. Maître Gims boit du sirop TCR. Voilà, c'est ça qu'on veut. Stéphane Guillon, taf de boulangerie. Qu'est-ce qu'il a pris comme viennoiserie, bordel? Doc Gynéco était mon voisin. Quel était son paillasson? Jonathan Cohen et Pio Marmaille qui promenaient un chien. Ouais, mais quelle était la marque de ce chien? Il manque le petit détail, là. Ah, ok, Carlito et sa famille, dans un hôtel, ils ont kiffé la machine à faire des pancakes du petit-déj. Ok, là, il y a un élément, ça va, on est bien. J'ai livré Sophie Marceau. Qu'est-ce que tu lui as livré? Bah, en même temps, tu sais pas. Oui, et puis même, faut pas dire ce que t'as livré, ça, c'est leur intimité. J'ai un pote qui a fait un karaoké avec le chanteur Raphaël. Quelle chanson vous avez chanté? En quelle langue il faut que je vous le dise? Il faut un détail. Maintenant, quand il y a plus de détails, je ne lis pas votre commentaire. Ah, vous m'énervez là. Je vais arrêter Twitch, je pense. Ah, j'ai servi des oursins à Roland McDan. Là, je suis d'ac. Raymond Domenech est resté coincé dans mon attraction à Disney. Ah ouais, genre à l'envers et tout. Il avait les sourcils qui tombaient comme ça. Yoshi le rappeur met des gouttes dans ses yeux car ils sont un peu secs. Et ses yeux, ils sont... C'est quoi la forme de ses yeux à Yoshi le rappeur? Laurent Lafitte était pas super sympa en vrai. Arrêtez avec ça. Vous êtes de mauvaise humeur des fois dans la vie, bordel. Sauf que quand quelqu'un vous voit de mauvaise humeur, il se dit juste bon, quelqu'un de mauvaise humeur. Il se dit pas, c'est acté, cette personne n'est pas sympa en vrai. J'ai servi Renaud au Cap Ferret. Il est les crevettes décortiquées. Ah, du verbe haïr, parce que là on dirait que c'est lui les crevettes décortiquées comme tu as écrit le truc EST. Est-ce que là l'info c'est que il est des crevettes décortiquées ou est-ce qu'il les déteste? Il veut qu'elles soient cortiquées. Est-ce qu'il a dit ramenez-moi des crevettes cortiquées s'il vous plaît? J'ai fait pipi à côté de Jamel Debbouze sur une aire d'autoroute entre Paris et Lille. Ok, ça va. Il utilise la pissotière. Et quelle main il utilise pour tenir sa bite, on se demandait. Arthur des enfants de la télé mange des pizzas Regina. Ok. Genre combien il en mange, tu penses? Qu'est-ce que tu reproches à la production de cette chanson? Bah, c'est évident, c'est mou, quoi. Ça manque de beat.